La préparation mentale au tennis. Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'aide les sportifs et entrepreneurs à être sereins, confiants et totalement libérés en compétition en éliminant la peur d'échouer. Donc aujourd'hui, nous allons voir la préparation mentale en tennis. Mais avant cela, pense à mettre un pouce bleu là et à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos. Alors en tennis, parfois, peut-être que tu arrives sur le terrain, tu sens que ça bloque, tu joues petit bras, tu te sens frustré et tu ne sais pas pourquoi tout simplement tu n'arrives pas à être à la hauteur de ton potentiel. Quand il n'y a personne qui te regarde, tu es au top. Quand c'est à l'entraînement, tu es au top. Et en compétition, tu ne sais pas pourquoi tout simplement ça ne part pas. Et aujourd'hui, je vais te donner un tips que je donne à chacun des sportifs pour se reconcentrer entre chaque balle. Donc laisse-moi te raconter l'histoire d'une tenniswoman que j'ai accompagnée sur un tournoi international et elle manquait de confiance en elle et pour ce tournoi-là, elle doutait d'elle-même puisqu'il y avait des personnes qui étaient là d'un ancien club, elle avait peur que ça pèse sur son jeu. Et donc ce qu'on a mis en place entre chaque balle sur les services, c'est à chaque fois qu'il y avait le temps mort, se repositionner sur qui ai-je envie d'être à ce moment-là. Et donc à chaque fois qu'elle prenait la balle, elle disait « Ok, je suis une femme qui se libère du regard des autres. » Et bam, elle jouait. « Je suis une femme libérée du regard des autres. » Et bam, elle shootait. Et derrière, elle avait fait un match de dingue qui était juste bluffant contre une personne qui était beaucoup mieux classée qu'elle. Et c'était juste dingue le match qu'elle avait fait. Donc toi, avant chaque match ou entre chaque échange de tennis, eh bien, focalise-toi tout simplement, reviens encore une fois sur la base de la base de la base de la base sur qui tu as envie de devenir à chaque match. Ça peut être « je suis quelqu'un de déterminé », bam. Et si derrière tu loupes la balle, ok, que ferait quelqu'un de déterminé? Il reprendrait, il resserrerait les dents et il retournerait. Donc voilà, est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de déterminé? Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de confiant? Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de serein? Si c'est serein, simplement, que ferait la sérénité maintenant? Elle reprendrait une bonne respiration, elle se poserait et elle se reconcentrerait sur le prochain poids. Et donc, en fonction de chaque identité que tu décides de développer, au maximum, fais comme si tu étais déjà cette personne ou du moins que tu t'en rapprochais. Et tu verras que finalement, ça va être de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide et tu vas pouvoir te dépasser et aller chercher les forces au fond de toi de donner le meilleur de toi-même. Donc maintenant, si cette vidéo t'est utile et que tu as envie d'aller beaucoup plus loin et comprendre tout ça encore plus en détail, regarde dans la description, tu as un e-book qui est offert. Tu as aussi une web conférence qui est beaucoup, beaucoup plus complète que cette vidéo, tout simplement parce qu'elle dure 45 minutes où je te donne mon contenu en détail. Et également, si tu vois que tu avances, mais aujourd'hui, tu as vraiment envie de te transformer et passer un gap, réserve un appel qui est offert avec un de mes coachs ou moi-même. Et là, tout simplement, on va prendre le temps de voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, quels sont les blocages et les points qui sont polarisés, où tu peux vraiment avoir des gros axes d'amélioration qui peuvent être très rapides. Et si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de la liker, de la partager autour de toi si ça peut être utile à d'autres personnes. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.